Ma société, c'est une ONG à Cordep. C'est appui à la communauté rurale pour le développement durable et la protection de l'environnement. En fait, on est là pour protéger l'environnement. Et le problème qui est là, j'avais eu beaucoup de difficultés au début pour travailler. J'avais un projet que j'avais présenté à CIR, cadre renforcé intégré. Et ils avaient rejeté pour me dire que le projet n'était pas bancable. Et je me suis posé la question pourquoi le projet n'était pas bancable. Et en allant en Israël, il y a eu une mission avec MRC et nous sommes partis en Israël. Quand nous sommes arrivés en Israël, on nous a expliqué, parce que nous avons aussi un autre problème dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est le problème du sable, la terre, elle est sablonneuse. Et tandis qu'Israël aussi avait connu ce problème, c'est semi-désertique. Et ils ont trouvé la solution pour rendre leur terre cultivable, oui, fertile. Et quand je suis arrivée sur place, on nous a expliqué et on nous a montré les techniques qu'il fallait pour rendre notre terre aussi fertile. Et on nous a expliqué comment il fallait introduire le projet. C'est d'abord faire les études du sol afin que le projet soit viable. Et avec le voyage en Israël, le goutte à goutte, la gravité, donc tout ça nous avons appris. Et lorsque je suis rentrée, ça m'a vraiment permis, et j'avais ma clé, comme ils avaient dit, que avec la session d'Israël, vous aurez votre clé en main. Et ça m'a permis d'avoir ma clé en main. J'ai réalisé, et pour le moment, j'ai fait les études du sol. Et ça m'a donné des résultats. Et là, maintenant, nous sommes en train de mettre les plantules en terre. Et ça m'a permis de beaucoup. Et maintenant, en venant à FIF 2015, là, avec la formation que nous avons eue, ça m'a permis de rejoindre la capacité que nous avons toujours recherchée. Et pour ça, nous allons mettre ça en application pour le développement de l'amélioration de la personne, entre parenthèses, c'est créer de l'emploi, et pour la réalisation de divers projets en agriculture et environnement. Sur ce, je vous remercie et je crois que nous allons continuer parce que c'est vraiment bénéfique pour nous.